Bonjour les passionnés des plantes, bienvenue sur ma chaîne Ma Plante Passion. C'est Asma Brise. Aujourd'hui, je vous reviens avec une autre vidéo. Je vais vous montrer une méthode pour pousser votre plante à vous produire des feuilles. Donc, la vidéo-ci s'intitule Comment forcer votre plante à produire une nouvelle feuille en mini-serre? Donc, on va y aller. Donc, si vous vous rappelez bien, je vous ai montré dans une vidéo récente ce rejet et ce rejet que j'avais pris de l'extérieur et que j'ai planté dans un pot et que j'ai rentré à l'intérieur à cause de l'automne qui commence ici, la saison froide. Donc, comme vous savez, je l'ai mise dans un pot et puis je l'ai placée. Un peu loin quand même de la fenêtre, mais après quelques, on va dire 2 semaines, j'ai perdu l'une des feuilles, okay, j'ai perdu l'une des feuilles, et puis regardez, la deuxième feuille a commencé à jaunir un peu, et puis ça m'embêtait quand même, ça m'embêtait parce que je ne voulais pas la perdre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bon, je me suis dit, bon, il faut que je trouve une manière de la ressusciter en quelque sorte. Et comme vous le savez, moi, j'aime bien faire le maximum pour sauver mes plantes. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est de transférer la plante dans un substrat de perlite que vous voyez ici. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais vous détailler en étape par étape, comment je me suis prise. Donc, en fait, j'ai sorti la plante de son pot. Okay? J'ai sorti la plante de son pot. Elle était dans du sable. Je l'ai sortie. Donc, j'ai lavé complètement les racines pour enlever toute trace de terre. Ensuite, j'ai pris ce sac hermétique-là, hein, ce sac de congélation hermétique. Et ensuite, j'y ai mis du substrat de perlite que vous voyez ici. Je l'ai humidifié en fait. J'ai trempé le substrat de perlite dans de l'eau. Et ensuite, j'ai bien essoré. Ben, pas essoré, mais j'ai quand même laissé l'eau sortir. J'ai éliminé le surplus d'eau qu'il y avait dans le substrat de perlite. Et par la suite, maintenant, je suis venue. Et puis j'ai mis ma plante dans, vous voyez, dans le substrat. Vous voyez, dans le substrat. Et j'ai fermé hermétiquement pendant, on va dire, 2 semaines. Donc après les 2 semaines, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé après les 2 semaines. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Voilà. C'est ça. Regardez. Je vais vous montrer exactement ce qui s'est passé. Regardez. Après 2 semaines, regardez. Elle a commencé à sortir une autre feuille. Hein? C'est pas extraordinaire ça? Elle a commencé à sortir une autre feuille. Et j'en suis tellement, tellement ravie. Hein? Donc, c'est un peu ça, l'expérience que j'ai faite et qui semble avoir réussi. Donc, mon conseil, c'est qu'il y a plusieurs méthodes en fait pour récupérer vos plantes. J'espère que cette méthode-ci vous servira. Si vous l'utilisez, vraiment, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à partager vos commentaires avec nous. Donc voilà, je ne voulais pas une vidéo très longue. Donc ceci met fin à cette vidéo-ci. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à donner un pouce et aussi à activer la cloche de notification pour être au courant quand je mets en ligne une nouvelle vidéo. Et puis n'oubliez pas de commenter, j'aime beaucoup vous lire. Donc, je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo
Et je vous dis à une prochaine. Voilà, je vais juste remonter ça. Et je vais la refermer hermétiquement pour qu'elle continue à faire son travail. Voilà, c'était Asma Breeze. Je vous souhaite une belle soirée et puis à une prochaine. Au revoir.